fidèles, merci d'être venus à notre rassemblement annuel. Les fils jamais vus devront prouver leur foi au cruel. Lors de la nouvelle lune, nous procéderons au rituel. Le passage à l'âge adulte doit se faire dans les règles. D'abord apprentissage et conditionnement à base d'intox, mise en place de piliers et de modèles à suivre, choisis par notre ordre afin d'éviter toute fausse note, tout esprit de rébellion jeté à la flotte. Candidat docile accepte son sort car nous sommes l'élite, nous contrôlons les hommes. Très tôt déjà sur les bancs de l'école, bourrage de crâne et doctrine distribue les rôles, fonctionnant au casting, la compétition, les faits se battent entre eux pour avoir de bonnes notes. Et si la sélection s'effectue, les meilleurs seront les dirigeants tandis que les deux se tuent. Nous contrôlons les médias, les esprits, et si pour tout zombie nous imposons la marche à suivre, exposant notre vision des choses à grand coup de napalm en prétextant qu'on nous attaque pour que les deux trouvent ça normal. Dire ce qu'on veut à la télévision, frater notre ego, allumer un feu et l'éteindre, entre un héros. Manipulation, médiatique pas seulement, rien de tel qu'un attentat pour stopper un soulèvement. Une populace qui pense au lieu de consommer est une menace, les asiles et prisons sont là pour briser les plus tenaces. Camisole chimique, il ne faut pas que les pauvres réfléchissent. Drogue licite et pauvres caisses dormeront discipline. Trop occupé à bosser pour s'occuper de politique. Dépression et anxiolytique, destruction des penseurs chroniques. Les grands philosophes sont morts, il est important qu'il le reste. L'idée même de liberté pour le peuple n'est qu'un obscur concept. Nous avons la même mise sur leurs rêves, effacer toute envie de changer le monde. Abrutis leurs enfants de la primaire, à choisir sans bien leur modèle pour riche mais très con. Qu'à l'affiche on dise que les riches sont clean, que nos fils sont dignes de nos millions. Obtenus sans crime, sans bavure, sans vice, dans la légalité, l'honneur et l'union. On croit jamais la vérité ne doit ressortir, que nous pillons certains pays pour mieux vivre. Que les pays sous-développés le reste pour notre bon plaisir, continuer de nous enrichir. En laissant des peuples entiers crever la bouche ouverte, s'ils résistent le plan est simple, en envoyant 20 000 gâchettes et d'allier leur vendre des armes pour qu'on puisse tous ces abats. De temps en temps on en paye un pour affaler nos populaces. Ainsi le peuple a peur, se réfugie derrière son sauveur, c'est la terreur est notre allié, si le pouvoir s'obtient. Les rebelles, jeunes et vieux seront gazés aux besoins secrets d'État, l'ordre mondial est sous tutelle de l'ordre ancien. Il est millénaire et possède le pouvoir absolu, dirigeant les ténèbres, les puissances mondiales et leurs élus. Contrôle la guerre entre les peuples sous le masque de la paix. Instaure la richesse ou la misère selon nos intérêts. La politique est un outil, la religion également. Endormissement des masses, tapis sur le parti gagnant. Nous avons créé les nations qui prospèrent aujourd'hui par nos souhaits. Et si créant leur abdication, l'ordre ancien contrôle ce monde enfin.